Il se trouve qu'on a en effet, pendant ces 4 ans et demi, conduit un cycle assez impressionnant de négociations parce qu'il se trouve que chaque profession a une convention, avait son échéance, et donc nous avons été amenés en 4 ans et demi à négocier avec à peu près toutes les professions. Il y en a une, les pédicures-podologues, sur lesquelles on a négocié, on n'a pas encore signé, mais avec toutes les autres, je crois qu'on a couvert le champ. Et encore une fois, chaque fois, ça a été un peu long, parfois compliqué, parce que par définition, on joue sur des choses qui sont lourdes de conséquences. Mais oui, moi, j'ai une vision de la négociation qui n'est pas... Il y en a un qui va gagner et l'autre qui va perdre. Voilà. On essaye ensemble de s'entendre. Alors, parfois, on peut avoir des désaccords, mais on essaie de trouver une vision partagée d'une évolution à venir qu'on construit parfois plus ou moins vite. Parfois, c'est des petits pas, parfois, c'est des grands pas. Et dans l'échange même, dans le contenu même de ce qu'on élabore ensemble, oui, on essaie de construire, je crois, un cadre de travail qui doit forcément se construire sur un principe de confiance. Il me semble que cette confiance est établie.